Moi aussi, je me pose des questions sur le 11 novembre. J'ai envie de les poser à Mathieu Kassovitz. Sur le 11 septembre. C'est pas tout à fait la même chose. On peut les poser à Mathieu Kassovitz. On peut utiliser la même chose. J'ai pas de certitude. J'ai pas de certitude, mais je me pose des questions. Mathieu Kassovitz, si c'est la tour numéro 7 qui était visée parce qu'elle avait des archives de la CIA, pourquoi on a pris la peine d'envoyer deux avions dans les deux autres grandes tours? Si en réalité les tours ont été dynamitées et qu'elles se sont toutes effondrées sur elles-mêmes, pourquoi est-ce que les experts n'ont pas réussi à le prouver, à retrouver des traces de la dynamite ? Si c'est un grand complot de la CIA, comment on a réussi à convaincre les terroristes d'aller se suicider contre ces tours ? Si c'est un grand complot, comment on a convaincu Mathieu Kassovitz, comment on a convaincu Ben Laden de revendiquer l'attentat plusieurs fois ? Mathieu Kassovitz, les auteurs et les complices de ce grand complot, ils ont dû être nombreux. Comment on les a fait taire depuis 8 ans? Est-ce qu'on les a tous éliminés pour qu'ils ne parlent pas? «
Mathieu Kassovitz, Jean-Marie Bigard, Marion Cotillard, je voudrais vous poser une question. S'il n'y a pas eu d'avion sur le Pentagone, il est devenu quoi le vol 77 d'American Airlines avec 64 passagers à bord? Et les familles de ces passagers qu'on a vu pleurer à la télévision, c'était des comédiens qu'on a payés pour venir pleurer leurs proches? Mathieu Kassovitz, les journalistes d'investigation américains du New York Times, du Los Angeles Times, du Washington Post, ils sont débiles, ils sont payés, ils sont menacés, ou ils mentent dans le cadre d'un grand complot.